Salah al-Harouri est mort ici dans une attaque de drone des forces israéliennes près de la capitale libanaise, Beyrouth, selon le Hamas. L'homme de 57 ans était le numéro 2 du bras politique et militaire de l'organisation terroriste. Salah al-Harouri était en exil au Liban depuis plusieurs années. Le premier ministre libanais a prévenu de répercussions en réponse à cette frappe. La situation inquiète les Nations Unies. This continued fighting has the risk of a great miscalculation by multiple actors, and I think this is what we've been seeing in different parts of the region, sadly. So we again appeal to all members of the international community to do everything in their power to prevent an escalation. Jusqu'ici, l'organisation terroriste présente au Liban, le Hezbollah et Israël avaient eu des escarmouches qui s'étaient limitées à la frontière entre les deux pays. L'armée israélienne n'a pas voulu confirmer l'information, mais n'a pas non plus nié. Dans la bande de Gaza, les efforts pour éradiquer le Hamas de l'armée israélienne se poursuivent. Le quartier général de la Croix-Rouge a été détruit à Khan Younis. لأنه لو ضليت في غزة أحسن لي أموت بشرف أحسن لي في غزة وهلقيتها لو صح لي يفتحوا العبور ويقولوا لي ارجعي على غزة والله لحلفت لأخذها جراي ما أركب سيارة. Le ministère de la Santé du Hamas déplore au total 70 morts dans les 24 dernières heures. Catherine Mouchard, TVA Nouvelle, Montréal.